Mesdames et messieurs, bonsoir, il est 18h30 et c'est l'heure du journal en version française de la rédaction de TV Plus Madagascar. Donc voici tout de suite les titres. Une intense relation de sincère amitié, c'est ainsi que le Saint-Siège qualifie la relation bilatérale entre le Vatican et Madagascar, selon Monseigneur Thomas Grisa, en sortant du palais Diavlou après avoir remis ses lettres de créance en sa qualité de nouveau nonce apostolique à Madagascar. L'Église catholique, déjà omniprésente dans le pays, sera toujours en première ligne pour aider les plus vulnérables, selon encore le numéro 1 de la nonciature. La dégradation des routes nationales à Madagascar est liée au manque d'entretien courant et périodique d'après Taranaz Jean-Émile, ancien ministre des Travaux publics du temps de l'ancien président, feu l'amiral Didier Atirek. Le fonds routier est essentiellement alloué à cet effet, mais sa gestion, loin d'être transparente, a posé des problèmes ces dernières années. Cet ancien ministre des Travaux publics d'ajouter que le traitement des points noirs prévus prochainement par le ministère des Travaux publics ne fait pas partie des procédures normales d'entretien d'infrastructures routières et occasionnera seulement des dépenses inutiles. Des mesures ont été prises pour faire face aux intempéries dans les régions concernées par le passage du cyclone Chenizo. Selon le directeur général du Bureau national de gestion des risques et des catastrophes, il a déclaré que les dispositions qui ont été mises en place maintenant permettront de se préparer aux dangers et d'y faire face par la suite. La grève contre la réforme des retraites et le report de l'âge légal à 64 ans s'annonce très suivie jeudi 19 janvier, notamment dans l'éducation et les transports, malgré les efforts du gouvernement pour défendre son projet de justice. À la une ce soir, selon Météo Madagascar, la dépression tropicale au cours de l'évolution au large de la région de Sava s'est intensifiée en tempête tropicale et a été baptisée par Météo Madagascar du nom de Chenizo à 12h locale. Elle se déplace rapidement vers l'ouest-nord-ouest à 35 km par heure durant les trois dernières heures. À 12h locale, son centre était positionné à 361 km au nord-est d'Antalya, avec des vents moyens estimés à 75 km par heure et des rafales de 105 km par heure. Elle devrait toucher terre entre Voémar et Capeste à Antalya demain, dans la matinée au stade de forte tempête tropicale. Des rafales du vent autour de 100 à 120 km par heure pouvant endommager ou détruire les habitations et les infrastructures vulnérables selon donc possible, surtout pour les régions de Sava et de la Landrouf. Les niveaux d'alerte restent inchangés. Alerte jaune de menace pour Diana, Sava, Analantrouf et Atsnanan. Alerte verte d'avertissement pour Alojamangour et Sofia. Un risque d'inondation généralisée est à craindre surtout pour les régions basses et zones basses et inondables. Les fortes pluies pourraient s'étendre sur Bouin et les terres centrales et pourraient persister jusqu'à dimanche. Les usagers maritimes entre le Cap d'Ambre et Mahanour sont ainsi priés de ne plus s'aventurer en mer. Une intense relation de sincère amitié, c'est ainsi que le Saint-Siège qualifie la relation bilatérale entre le Vatican et le Madagascar, selon Monseigneur Thomas Grisa, en sortant du palais Diavlou après avoir remis ses lettres de créance en sa qualité de nouveau nonce apostolique à Madagascar. L'Église catholique, déjà omniprésente dans le pays, sera toujours en première ligne pour aider les plus vulnérables, selon encore le numéro 1 de la nonciature. Des futures collaborations entre Madagascar et le Vatican étaient également au centre de la discussion des deux personnalités ce matin. Reportage de Siav Nadoni sur les images d'Evrasat. Monseigneur Grisa, qui succède à Monseigneur Paolo Rocco Gualtieri, a été nommé nonce apostolique à Madagascar le 27 septembre 2022. Il a présenté ses lettres de créance au président de la République, Andrazuel, dans la matinée. En tant que représentant diplomatique de l'État du Vatican, Mgr Grisa a eu droit à la haie d'honneur réservée aux personnalités de haut rang. Il a été accompagné par le numéro 2 de l'annonciature, le père Francesco Diano, qui occupe la place de secrétaire à l'annonciature.
Il a été ensuite reçu par le président Radziwill dans la salle des ambassadeurs. Et j'ai l'honneur de vous remettre la lettre de sa sainteté, le pape François, qui appelle mon prédécesseur et qui me donne en qualité de nonce apostolique à Madagascar. Merci, Monseigneur. Devant la presse, le nouveau nonce apostolique a mis en avant la vive et chaleureuse relation entre Madagascar et le Saint-Siège. On a parlé des relations entre le Saint-Siège et la République de Madagascar, qui heureusement sont très bonnes. Je dirais que ce sont des relations d'amitié, aussi parce que la collaboration entre l'Église catholique et toutes les forces de l'État ici à Madagascar est très intense. Et comme vous le savez, l'Église est très présente dans le réseau des écoles, dans le réseau des hôpitaux, le centre de santé et plusieurs œuvres de charité. C'était donc la chose principale. On a parlé aussi de collaboration future, comment on peut rendre nos relations et notre coopération encore plus intense et plus fructueuse pour le pays. Questionné sur la nomination de l'archevêque de l'archidiocèse d'Antananarivo qui remplacera Mgr Odon Marie-Hersène Razanakul, Mgr Kriza a donné une réponse diplomatique avançant qu'il fallait respecter le secret pontifical. Pour ce qui regarde les nominations des évêques, évidemment c'est la nonciature qui mène ce travail, mais c'est couvert par le secret pontifical, donc je ne peux pas dire trop, mais je peux dire quand même que les procédures sont déjà en cours et qu'à un moment donné, l'information sera rendue publique. C'était également une occasion pour l'annonce apostolique de transmettre le message du pape François pour Madagascar. Il souligne, comme vous le savez, l'importance des questions écologiques, ça veut dire aussi des soins pour la nature, mais en mettant au centre la personne humaine. Ça veut dire qu'il faut entendre le cri de la nature, mais il faut aussi entendre le cri des pauvres. Et pour cette raison, l'Église est toujours présente pour aider dans toutes les situations qui sont les situations de détresse. Elle se permet chargée de suivre aussi toutes ces situations ici. La dégradation des routes nationales à Madagascar est liée au manque d'entretien courant et périodique. D'après Taranaz et Jean-Émile, l'ancien ministre des Travaux publics du temps de l'ancien président feu l'amiral Didier Ratirek. En effet, le fonds routier est essentiellement alloué à cet effet, mais sa gestion, loin d'être transparente, a posé des problèmes ces dernières années. Cet ancien ministre des Travaux publics d'ajouter que le traitement des points noirs prévus prochainement par le ministère des Travaux publics ne fait pas partie des procédures normales d'entretien d'infrastructures routières et occasionnera seulement des dépenses inutiles. Toutefois, elle suggère la réalisation d'études techniques préalables avant la mise en œuvre des travaux de réhabilitation des routes nationales, notamment ceux de la route nationale numéro 2 qui devrait avoir lieu en 2027, fin de vie de la route qui a été inaugurée en 1987. Les détails signés Mamtine Ndiamboul et Omekara Nevzon. L'état général de toutes les routes nationales de Madagascar ne cesse de se dégrader d'année en année. Une situation qui pénalise les automobilistes en général et les transporteurs en particulier, d'où la grande de ceux qui opèrent sur la route nationale numéro 2 ou RN2, allant jusqu'à entraîner une grève de ces derniers, d'après les explications. En effet, la dégradation des routes nationales du pays est due à l'absence d'entretien, expliqué Tsaranas Jean-Émile, ancien ministre des Travaux publics, du temps de l'ancien président, feu l'amiral Didier Ratirek. Pour assurer le bon état des routes nationales, des entretiens courants devant être effectués annuellement sont nécessaires, a-t-il ajouté. Les entretiens périodiques sont également utiles, accompagnés d'une campagne de déflexion des routes où, si nécessaire, des travaux d'ajout de couches sont réalisés. Des travaux d'entretien qui devraient être financés via le FEAR ou fonds routier, dont le financement se fait à travers les taxes payées par les pétroliers et les transporteurs. Or, depuis quelques années, aucune information n'a filtré sur la situation du fer, selon les explications. Une situation floue qui serait peut-être à l'origine de l'absence d'entretien des routes nationales ces dernières années, causant leur dégradation. Cet ancien ministre des Travaux publics d'ajouter que les travaux de traitement des points noirs prévus par le ministère des Travaux publics du régime actuel ne sont pas des solutions viables et ne figurent pas parmi les procédures normales d'entretien d'infrastructures routières. Ce ne sont que des dépenses inutiles, a-t-il précisé.
Des travaux d'entretien sont encore envisageables. Toutefois, des études techniques doivent déjà être effectuées, notamment en ce qui concerne la RN2 qui arrive à sa fin de vie en 2027. Elle a été inaugurée en 1987 et donc nécessitera des travaux de réhabilitation aux normes après 40 années d'existence. La recherche de financement pour des travaux de cette envergure doit commencer dès maintenant, précise Saranas Jean-Émile. L'État malgache doit suivre les mêmes procédés pour toutes les routes nationales d'après les explications. Nous continuons le journal dans le domaine de l'éducation. Certains enseignants du lycée de Nansan Antananarivo ont manifesté depuis lundi dernier pour revendiquer les vacations non perçues depuis l'année 2021, entraînant une suspension des cours depuis quelques jours. Entraînant, la situation commence à revenir à la normale en ce moment, suite à la réunion entre les responsables administratifs de l'établissement et les représentants du ministère de l'Éducation nationale pour résoudre les problèmes en question. Un accord a été conclu à l'issue de la rencontre pour résoudre le problème de la suspension des cours qui affecte les élèves. Elisa Herman et Eric Renefson étaient sur place pour recueillir les détails. Suite aux revendications des enseignants du lycée de Nansan sur le paiement de leurs arriérés en matière de vacations, aucun d'entre eux n'a voulu assurer les cours. Les élèves ont patienté en dehors des salles de classe parce que jusqu'à nouvel ordre, les cours étaient suspendus, affirment les responsables. D'après les sources, une réunion entre les responsables administratifs de l'établissement, les représentants des enseignants et les responsables du ministère de l'Éducation nationale a eu lieu ce jour. Il a été conclu durant la réunion que le paiement des vacations des enseignants sera effectué à partir de demain. Le calendrier y afférent a été déjà publié. 120 enseignants sont prévus recevoir leur paiement à partir de demain. Des séances de rattrapage sont également nécessaires pour pallier l'impact de la suspension des cours sur les élèves. Les enseignants qui ont manifesté ont accepté les décisions prises durant la réunion et ont affirmé qu'ils étaient prêts à entamer les rattrapages des cours à partir de la semaine prochaine, d'après toujours les sources. La secrétaire nationale du parti TGV de Fianarantsoa ainsi que les représentants des femmes membres du parti sont venus présenter leurs vœux aujourd'hui au vice-président du Sénat chargé du Triangle du Sud, Nicolas Rabemananzar, à l'occasion de la nouvelle année 2023. Le programme pour le développement de la province de Fianarantsoa a été au centre de leur discussion. À l'approche des élections, il est plus que jamais nécessaire de faire preuve de cohésion et de réfléchir au plan d'action à mettre en œuvre pour développer la province, a déclaré la secrétaire nationale du parti TGV de Fianarantsoa. La représentante des femmes membres du parti ainsi que la secrétaire nationale du parti TGV de Fianarantsoa ont offert un cadeau au vice-président du Sénat, Nicolas Rabemananzar, à l'occasion. Ce dernier n'a pas manqué de souligner leur diligence mérite d'être imitée. Il les a également félicités en affirmant qu'elles faisaient preuve de beaucoup de courage dans la réalisation de leur travail. Des mesures ont été prises pour faire face aux intempéries dans les régions concernées par le passage de la tempête tropicale Chinizo, selon le directeur général du Bureau national de gestion des risques et des catastrophes ou bien GRC. Il a déclaré que les dispositions qui ont été mises en place maintenant permettront de se préparer aux dangers et d'y faire face par la suite. Les responsables des différentes régions où les risques d'inondation sont élevés, notamment dans la région de Sava, de Sofia et de Nalandrouf, ont également reçu des instructions. Reportage de Sibylla Ranjimazaf et de Fechang Yamananzar. Selon les évaluations et les prévisions des techniciens jusqu'à présent, la tempête tropicale qui s'approche du nord de Madagascar ne présente pas un grand risque pour l'île. En dépit de son changement fréquent de trajectoire, cette perturbation cyclonique devrait toucher terre entre Voemar et le Cap-Est à Antala demain. Le directeur général du Bureau national de gestion des risques et des catastrophes, ou BNGRC, a expliqué ce jour que les dispositifs qui ont été mis en place maintenant permettront de mieux se préparer aux menaces qui peuvent se produire.
les responsables dans tous les districts et régions concernées par le passage de cette tempête tropicale ont déjà reçu les instructions nécessaires pour faire face à la situation. Les responsables des zones potentiellement touchées par la tempête tropicale ont reçu pour instruction d'évacuer la population vivant à proximité des rivières qui risquent de déborder en raison des fortes pluies. Les responsables locaux sont libres de prendre les mesures nécessaires pour faire face à la situation sur place, notamment en ce qui concerne la fermeture des écoles durant le passage de la tempête tropicale Chenezo. Pour Antananarive, dans la zone d'Impamarine, un autre rocher va être dynamité demain. Cette masse rocheuse permettant un risque de danger pour la population locale devra faire l'objet d'une destruction préventive, par quelque procédé que ce soit, selon le BNGRC. Le centre du BNGRC reste également en contact régulier avec les groupes de base pour recevoir des informations en temps réel sur l'évolution de la tempête tropicale Chenezo. C'est maintenant l'heure des actualités internationales. La grève contre la réforme des retraites et le report de l'âge légal à 64 ans s'annonce très suivie jeudi 19 janvier, notamment dans l'éducation et les transports, malgré les efforts du gouvernement pour défendre son projet de justice. Les détails, France 24. Transports urbains, écoles ou encore avions. Les perturbations s'annoncent massives dans les services publics jeudi pour la première journée de grève contre la réforme des retraites. Sur les rails, le trafic sera fortement réduit, avec seulement un TGV sur trois sur les axes nord et sud-est, un sur quatre sur l'axe est et un sur cinq entre Paris et Rennes ou Bordeaux. Sur les autres lignes, un Ouigo sur trois en circulation, un TER sur 10 et aucun intercité ne roulera. Gare Montparnasse ce soir, les usagers ont déjà pris leurs dispositions. Télétravail, principalement télétravail. On va d'abord regarder les horaires de train pour savoir si on peut aller au travail et sinon télétravail. Oui, il faut s'organiser, enfin. Il faut trouver des solutions, des plans B, des plans de secours. C'est pas évident. En Ile-de-France, la RATP aussi sera touchée. Trois lignes de métro seront fermées, 10 seront ouvertes seulement aux heures de pointe. Les autres seront perturbés ou grandement saturés. Même chose dans les grandes métropoles. Les réseaux de Marseille, Bordeaux et Toulouse annoncent déjà de fortes perturbations. Côté école, beaucoup de classes garderont porte close. 7 enseignants sur 10 devraient se déclarer grévistes jeudi dans le primaire, selon les syndicats. Devant cette école de Dijon, si la grève ravit visiblement les enfants... Bon, il est content, lui. Il est content. Les parents se préparent déjà à la grande débrouille. Je travaille, je commence à 6h. Mon mari aussi, on ne sait même pas comment faire pour les enfants. Ouais, on ne sait pas. On verra. Moi, je travaille en mairie, donc je peux m'arranger, mais je pense que pour les parents qui ne peuvent pas s'absenter, c'est compliqué, quoi. Il faut toujours s'organiser, bah, soit avec les grands-parents ou des trucs comme ça qui habitent assez loin. Donc, du coup, c'est galère. Enfin, dans le ciel, la grève des contrôleurs aériens devrait clouer au sol un avion sur cinq, mais de plus grandes perturbations pourraient être annoncées dans les prochaines heures. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Je vous remercie de l'avoir suivi jusqu'à son terme. On se revoit tout de suite dans le journal en version malgache. Au revoir.